Nous sommes devant la mairie. Le maire a préféré nous esquiver. Il a pris la poudre d'escampette parce qu'il n'a pas eu le courage de nous affronter. Ceci dit, ce n'est pas grave. L'objectif principal n'était pas de venir agresser le maire ni casser quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des sauvageons comme ceux qui sont venus agresser les habitants de cette ville. Alors, pour demander des comptes au maire qui se défile, étant donné que nous sommes des citoyens de ce pays et de plus des citoyens de la ville, on donne rendez-vous demain à 10h30 devant la mairie de Val-de-Reuil pour venir réclamer des comptes au maire, à monsieur Marc-Antoine, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa ville, comment se fait-il que des agressions se déroulent au sein de sa ville et qu'il ne fait rien pour stopper cela. Je vais donner la parole aux frères, aux jeunes, aux pères de famille du quartier pour qu'ils s'expriment. Bonjour, donc moi je m'appelle Tariq. Donc moi je prends la parole aujourd'hui pour dire qu'il y a de l'injustice totale et qu'on vit et qu'on subit depuis un certain temps parce que monsieur le maire, je pense, voilà, prend parti pour une certaine communauté. Et moi ce que je demande et aujourd'hui ce que je souhaite, c'est que demain on se rassemble tous à 10h pour faire une marche pacifiste. J'ai bien dit pacifiste, sans violence, sans rien du tout. Pour que justice soit faite et pour qu'on se fasse comprendre. Et c'est tout ce que je demande. C'est une manifestation, une marche positive, dans un rassemblement, dans le plus grand des calmes, afin de pouvoir faire entendre nos droits. Voilà. Et l'objectif de ce rassemblement est très clair. Nous exigeons que les responsables de la marche des Kurdes soient arrêtés et incarcérés aussi. Parce que la justice, on dit, c'est une balance, égalité. Alors, dans la devise de la France, il y a égalité. Alors là, on réclame l'égalité, que les deux camps, si Salif et Ibou doivent rester en prison, alors chez les Kurdes aussi, il faut incarcérer des personnes. Ils sont identifiables. Tout le monde a vu la vidéo. Ils étaient accompagnés de 50 camions de CRS. Et qu'on ne nous dise pas qu'ils n'étaient pas au courant que la manifestation n'a pas été validée ou autorisée. Si ce n'était pas le cas, le maire avait le pouvoir de demander que cette manifestation soit dispersée. Chose qui ne s'est pas passée. Donc venez demain à partir de 10h30 pour demander des comptes au maire. Dans le plus grand des calmes, c'est un rassemblement et nous disons que le maire doit rendre des comptes à ses administrés, aux citoyens de la ville, parce qu'il est là pour vous servir. Et l'hôtel de ville appartient aux citoyens de Val-de-Reuil. À demain, à partir de 10h30, s'il vous plaît, soyez là. On sait que beaucoup de personnes aiment faire la grasse matinée, mais pour une fois, c'est pour une bonne cause. Donc on vous donne rendez-vous demain samedi à partir de 10h30. Merci beaucoup. Merci.